Radio-Télévision nationale du Burundi organise une semaine qui sera consacrée à la présentation des principales réalisations qui ont marqué son régime. Pour une meilleure organisation, pour bien réussir cette initiative, la Radio-Télévision nationale du Burundi a envoyé une équipe de journalistes sur le terrain pour s'entretenir avec la population au sujet des principales œuvres d'au feu président Pierre Nkurunziza. Une occasion pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, de suivre les principales réalisations, les témoignages pour bien vivre la commémoration du premier anniversaire de la mort du président Pierre Nkurunziza. Alors, comme vous le savez, pour le gros de ses activités, il avait l'habitude de s'associer à la population, que ce soit dans le cadre des travaux de développement communautaire, que ce soit dans le cadre des séances de moralisation à l'endroit de la population, mais aussi que ce soit dans le cadre de l'organisation des croisades de prière. La population burundaise apprécie à juste titre les avancées significatives qui sont enregistrées dans le secteur de développement sous son régime. Et pour toutes ces activités, la RTNB a toujours assuré la couverture médiatique. Alors, dans le cadre de capitaliser les acquis, les œuvres, l'héritage que nous a laissé feu président Pierre Nkurunziza, j'aimerais inviter nos fidèles, auditeurs, téléspectateurs, à suivre les émissions qui ont été produites à cet effet par la Radio-Télévision nationale du Burundi.